Teraz czas na przyjaciół firmy Macolab, ja wspomniałem Państwu, że to będą ludzie niezwykli, którzy zmieniają swoim działaniem świat. Pierwszy gość przyjechał z Francji, jest product managerem firmy Renault Scope, odpowiedzialny za marketing koncernu. Mnóstwo reklam w Europie firmy Renault to także jego dzieło odpowiada za wdrażanie rozwiązań e-commerceowych. Był długoletnim projektantem e-commerce z ramienia RCI. Jean-Philippe Maté. Zaprashant. Je Mesdames, Messieurs, bonjour. Tout d'abord, merci à Mirek et à toute l'équipe de Macolab de m'avoir euh, invité pour parler de mon expérience euh, chez Renault et chez RCI sur les sujets de l'Internet. Euh, je tiens particulièrement à, à remercier Mirek et vraiment son équipe et principalement Thomas et Sylvester avec qui j'ai travaillé pendant quasiment six ans maintenant. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui c'est seulement de l'expérience c'est pas des grands concepts c'est ce qu'on a vécu depuis une dizaine d'années chez Renault et chez RCI. Ça m'engage principal, principalement moi, pas nécessairement euh, la maison, parce que la maison, elle est grande et que euh, les idées, ils euh, sont larges et parfois différentes. Donc ce que je vais vous dire, c'est ce que j'ai vécu et ce que nous avons vécu ensemble avec, euh, avec Mirek tout au, au, au long de ces années. Alors, ma présentation, je l'ai appelée euh, Why We Fight, quelques réflexions sur l'Internet. Why We Fight, c'est un, un, un titre qu'a donné Franck Capra à une série de films qui servait lors de la dernière guerre mondiale à expliquer les choses pourquoi l'Amérique la, était en guerre euh, aux gens et euh, c'est vrai que dans la, la majorité des la majorité des grandes entreprises euh, dans les années fin des années 90 c'était un vrai combat d'aller de, de, euh, d'aller expliquer à, à nos directions de, de, du marketing du commerce que l'internet était important tout à l'heure, Mirek disait, euh, est -ce que est, il, il parlait de, de, de Tim Berners-Lee et de grands philosophes de, 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 de grand, euh, euh, l'internet. Philosophe euh, on parlait de jouets techniques, euh, un, un technical toy. Eh bien, figurez-vous qu'il y a dix ans de ça, internet, pour la plupart des gens avec qui on travaillait, c'était un jouet technique et ils n'avaient pas dans l'idée qu'on pouvait faire du business avec. Alors. En quelques en quelques lignes je, je vous ai présenté rci Bank et, et la financière du, du groupe renault euh, on, on existe depuis 1924 donc euh, rci Bank est une vieille dame euh, et, et nous accompagnons les, les ventes de renault et également le financement du, du réseau renault depuis euh, depuis tout ce temps donc internet pour nous c'était aussi euh, un moyen euh, d'attaquer une, une autre clientèle euh, et d'une autre manière. Une clientèle qui allait plutôt chez nos concurrents parfois. Bien, alors, en ce qui me concerne, donc, j'ai travaillé pendant, euh, pendant une dizaine d'années euh, sur, euh, sur le, le projet Internet de Renault et je suis depuis le début de cette année euh, en charge de marketing direct pour RCI et pour Renault. Bien, un peu d'histoire puisque c'est pour ça que je suis venu, pour vous raconter une histoire. J'espère qu'elle ne vous endormira pas. En 1997, euh, la direction du marketing de RCI, qui était euh, assez euh, éloignée, on va dire, de, de, de Renault pour ce qui est de l'Internet, a décidé de se rapprocher de Renault afin qu'on puisse ensemble regarder ce qu'il était possible de faire euh, en matière de euh, communication directe vers nos clients. Euh, je dois vous avouer que c'était un peu compliqué à l'époque parce que ce qui nous intéressait, c'était de prendre de l'information dans les systèmes informatiques de Renault et de la euh, donner directement aux clients. Donc vous imaginez un gros système euh, qui est un système industriel, un système de vente, qui tout d'un coup se met à parler aux clients. Un moment clé, 1999, Louis Schweitzer, qui est le PDG de, de Renault à cette époque, a dû partir en vacances avec son ordinateur portable et quand il est revenu, ce qu'il avait vu sur Internet ne lui avait pas plu. Euh, en fait, il s'est rendu compte que l'ensemble des pays dans, lequel, dans lesquels euh, Renault était présent montraient euh, des websites qui n'avaient aucune consistance, qui euh, pas du tout, euh, qui n'avaient pas du tout le même aspect. De la même manière. Développer plusieurs sites à la fois, c'était aussi de dépenser euh, autant de fois l'argent pour chaque site, euh, et donc c'était pas viable pour une grande entreprise comme la nôtre. Donc, il a été décidé de créer ce qu'on a appelé le projet Renault Site, euh, dans lequel RCI Bank a été intégré dès le départ. Alors, on y, on y reviendra, mais vous voyez déjà que euh, pour que les choses soient prises au sérieux, il fallait vraiment une impulsion du top management de Renault et de RCI. En 2001, donc euh, quasiment un an, euh, un an après euh, la, la, le départ du projet, on mettait en, en ligne euh, cinq pays, qui étaient les, les cinq pays majeurs pour Renault en termes de volume de vente de, de, de voitures la France, l'Allemagne, le UK, l'Espagne et l'Italie, qui suivaient euh, un peu après. Alors, quand on dit euh, on a mis un an et demi pour faire cinq pays, on se dit tiens, euh, maintenant on mettrait peut-être un peu moins de temps pour pour faire autant de pays. Il faut se rappeler qu'à cette époque-là, les technologies n'étaient pas ce qu'elles sont aujourd'hui et qu'on on, on ne développait pas exactement à la même vitesse. Ce qui ce qu'il faut noter également, c'est que pour RCI Bank, donc euh, la, la, la société dans laquelle je travaille, le le challenge était de taille puisque chaque pays euh, avait une façon différente de calculer le financement. Euh, quand vous achetez une voiture dans un pays, en règle générale, si vous achetez une Clio ou une Laguna ou une, un espace, il y a de fortes chances pour que les voitures soient les mêmes d'un pays à l'autre, sauf en Grande-Bretagne où elles ont le volant qui n'est pas du, du, du bon côté. En revanche, pour le financement, là, il fallait systématiquement, pour chaque pays, repartir de la page blanche et euh, fabriquer des calculateurs ad hoc puisque euh, les règles euh, juridiques, les, 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 les legal requirements euh, ou euh, même encore les, 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 euh, les règles liées aux assurances euh, n'étaient pas les mêmes d'un pays à l'autre. Donc il fallait à chaque fois recommencer le travail pays par pays. En 2003, euh, on a lancé des pays, euh, des pays un petit peu plus petits en, en termes de, de chiffre d'affaires. Et on a expérimenté de nouvelles techniques pour développer. Et on est allé beaucoup plus vite, en fait. On a, on a appris, euh, appris en marchant. Et je crois me rappeler que c'est en 2003 qu'on a commencé à travailler avec, euh, avec Macolab. Euh, et euh, on a continué, et on continue encore euh, de travailler avec euh, cette équipe qui est, qui, est vraiment, euh, qui est vraiment à notre disposition chaque fois qu'on en a besoin. Bien, on passe en 2008. Je vais vite euh, exprès parce que euh, raconter euh, 10 ans de ma vie en, en 20 minutes c'est un peu compliqué. Voilà. Donc nous avons attendu d'avoir une masse critique de pays pour lancer une nouvelle version du Renault Et euh, cette nouvelle version nous permet de mutualiser encore mieux les développements qu'on fait euh, dans chacun des pays.